tube qui rentre dans l'histoire et qui fait de toi cet artiste intemporel-là. Mais il y a une seule question qui nous préoccupe. Oui. Le slip vert, c'est quoi l'histoire? Le slip vert, tellement j'étais en colère par rapport à ce que Kassiri m'a fait. J'ai voulu montrer qu'il y avait du pouvoir en moi. Ce pouvoir, c'est qui est le gars, au fait. Et le slip vert, quand tu manges les salades, tu manges les pommes, tu es contente, non? Oui. Tu manges les bananes, tu es contente, non? Après, tu es rassasié. Après, tu es rassasié, tu dors, t'as eu, non? Ok. Tout ça, ça vient du slip vert. Comment ça? Je ne comprends pas le lien. Ah, pourquoi j'étais mélangé, non? Pas le lien. Ça vient de la nature. Le slip, c'est la richesse de la terre africaine. Ah, ouais. La nature. La nature. D'accord, ok. C'est ce pouvoir qui est autant de gars comme moi ici, pas comme vous. Parce qu'ils ne voient pas comme vous. Okay. Ce que vous voyez, moi, ils voient autre chose. Ce qu'ils voient, vous ne voyez pas. Donc, mais les gars m'ont dit, c'est ta première carrière après Kassiri. Tu as subi. Nous, tes grands maîtres, nous avons vu. Et ma mère, elle m'a dit, ta souffrance, c'est dur. Mais quand ça s'allume, ta lumière, ça devient grand. Et c'est elle qui sait comment elle m'a mis au monde avec le gars. Donc, après cela, j'ai voulu montrer à Kassiri, voici ta lumière que tu as perdue. Cette belle lumière qui est avec toi, n'a pas su l'encadrer. Ce que tu es en train de nous dire, tu parles avec les esprits. Oui, c'est ça qui est le gars, au fait. Le gars. Le gars, ça signifie quoi, en fait? Le gars, c'est le fils de la montagne sacrée de Kantala, Kantafla. C'est où, Kantafla? À Zenola. D'accord. Mais toi qui parles avec les esprits t'ont pas dit qu'avec Eke Kassiri, ça allait peut-être se passer mal. Je lui ai tout expliqué. Il allait avoir des problèmes. Je lui ai tout expliqué. Voilà, voilà Montaigne, bonjour. Bonjour, frère. C'est vrai, c'est pas un caleçon, mais la couleur verte te rappelle quelque chose. Oui. Voilà. Au fait, j'aurais appris que ton caleçon vert est tellement mystique que ça, c'est ce qui même t'a donné même le succès de Zingloma. Hé, hey, mon frère, t'as vu, non? C'est vrai, bien sûr. Eh oui. Pour nous répondre. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Deuxième question. Actuellement, là, c'est la nouvelle génération qui pousse. Oh, toi, tu es de la vieille école. Eh bien, si tu gagnes un futur, un fio de vieux comme ça, tu as plongé dessus. Mais quand fio de vieux, quand il me voit, il me va se mélanger, nous déjà. Parce qu'à me voir vis-à-vis net, là, lui, il me va savoir qu'il ne peut pas avoir peur de ça. Ah bon, hein? Oui. Ah bon? Oui. Mais c'est juste faire un featuring, c'est pas pour en faire là. Ah, faut pas comparer. Non, il compare pas, il dit. Il compare pas, il dit que si justement c'est la nouvelle génération et c'est celui qui mousse en ce moment. Oui. Si il te contacte pour un featuring, est-ce que tu as... Fier de Björk dans la montagne. Mais fier de Björk, mais c'est que... Il a tel le vieux personne. Fier de Björk, fier de Björk. Fier de Björk. Tu le connais, tu le connais, fier de Björk. Enfin, tu sais, comme je vous ai dit que je suis à part au fait. Tu connais personne. Nouvelle génération, pas nouvelle génération. Moi, je vois pas comme vous voyez. Okay. Mais les petits en ce moment ils sont en vogue, hein, ils sont en vogue. Oui. Est-ce que vous avez fait ce spectacle une fois et pour nous les faire passer ensemble? Donc tu vas les écraser. Vous avez quelque chose qui peut se comparer à une montagne. Voilà. Quand je vous parle, tu moi ma vie, tout est mystique au fait. Tout. Tu peux me voir, je lui garçon bien style. Donc il avait raison. Mais je suis mystique au fait. Justement, donc il avait raison. Parlons de mysticisme, Yves, si tu veux bien. Alors, un clip qui passait à la télévision, donc qui pouvait être vu par tout le monde, par les enfants, dont nous autour de cette table. Le slip vert, tu ne penses pas que c'était un peu exagéré, que ça pouvait heurter certaines sensibilités? Non. Vu que tu parles là de mysticisme, et puis en plus on est dans les années 90. Oui. On est dans les années 90, Gola Montagne, donc à cette époque-là, les esprits n'étaient pas assez ouverts, je mets entre griffes, pour accepter un slip, les sensibilités les enfants, quand même. Les enfants. Donc aujourd'hui, si ils faisaient ça, ça allait s'amuser les gens ou bien? Non, aujourd'hui, peut-être que ça aurait pu passer, enfin, je dis pas crème, mais ça aurait pu passer quand même. Et puis, c'est peut être remonté de façon en plus. Ah. Okay. On dirait un string, en fait. C'était un string, au fait. C'était un string. À cette époque, on se posait le fils en Côte d'Ivoire. D'accord. Ah, assez, voilà, comme vous allez loin, vous avez cassé le drame. C'est toi qui as inventé. En Côte d'Ivoire, les gens connaissaient pas le string. Comment moi, j'avais déjà fait parler avec Kassiri. Ah. Est-ce que vous comprenez bien? C'était un string, ouais. Donc, la Côte d'Ivoire, quand ils étaient trop d'affaires de maquis, bien, ils avaient le style bizarre des zouglous, etc. Ils étaient barrés à ça, c'est un mec qu'ils connaissaient. Donc, moi, je viens de mon bengue. Aïe. Mais à l'époque, quand tu as le style, ça choquait pas les gens? Ouh, aïe, les grands d'ailleurs des deux plateaux, Kourodi, hein? Il verra. Pour le voyage, vois-tu, devant ma porte. Pour le string, oui. Oui. Quand j'ai fini de passer à la télé, là, faut voir chez moi très huile. Mais c'est peut-être parce que justement, c'était un slip mystique. Qui a travaillé ce slip-là? Comme toi-même, tu l'as dit, hein, c'est un slip. Personne n'a travaillé ce slip. Mais comment il est mystique alors? Ce slip, c'est la terre. C'est tout à l'heure, il a dit, mais vous mangez des pommes, des salades, je ne sais pas ce qu'il a dit. Quand on parle, c'est ce qu'on dit. Hein. Bien sûr qu'on ressent. Oui. Après, ça, c'est en don, donc, tu es rassasié. Oui. Après, tu as envie de dormir. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ces salades-là? C'est pas la terre. C'est la terre, c'est l'engrais, c'est. Ouais. Mais là, la terre, là, c'est quoi? Ça a quelle couleur?
Les plantes là. Elles sont vertes. Les plantes sont vertes. En tout cas, c'est profond. On a en attendant.